Deo, Deo, Dilam, go home. Salut les notes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un shoot sorti de totalement nulle part, Athéna. Vous connaissez cet éditeur? Moi, pas du tout. C'est peut-être un fabricant de slip qui s'est reconverti à l'époque dans les shmups parce qu'il y a eu la crise du slip et ça ne marchait moins bien. Et donc, on se retrouve avec un espèce de Raiden-like. Donc, bon shoot, scroll vertical, beaucoup de monde au sol, des trucs à ramasser par millions. Et pour l'époque, 1993, bah regardez, c'était pas trop mal foutu. Regardez, moi ces graphismes, si ça pète pas. Ah, le système du tramage pour rajouter plus d'effets de couleur que ce qu'on avait possible affichable à l'écran. Déo! On y va? On y fonce. On se regarde la démo? On se regarde la démo. Bah, tir multiple, hein, comme d'habitude. On ramasse les bonus dans les bestioles qu'on vient de crever tout fraîchement. Et on essaye de monter au maximum son armement, histoire de balayer l'écran qui ne manquera pas d'être encombré. Voilà, il n'y a rien de scientifique. C'est ce qu'on appelle couramment dans le langage technique un shmup, il me semble. Pas de choix de vaisseau, tant pis pour moi. Oh, la musique. Eh oui. Les plus vieux ont reconnu, il manque plus que Piazzadora et on y croit. C'est Disco Wiz, la BO, dites donc. Encore là, je l'entends à peine. Vous, par contre, vous devez la voir correctement. Attends, je vais me monter le son, moi, il me fait du reste au BO. Mais dites-moi, c'est parfaitement jouable cette cochonnerie. Moi, je m'attendais à une espèce de copie d'une autre ROM. Complètement minable et pourri, vu que l'éditeur, je sais pas d'où il sort. Et en fait, bah, regardez-moi ça. C'est totally jouable. Incroyable. Bon, envoie-moi du gros pattern qu'on rigole. Bim. Donc, j'ai ma bombasse, je confirme. J'ai pas d'autre. Ah putain, si! Bonne nouvelle, j'ai un tir alternatif qui balance des petits missiles, mais c'est à moi de le déclencher, c'est pas automatique, regardez-moi ça. C'est chouette. Donc je récap. Tir principal, tir des missiles et la bombasse. Je vais me garder sous le coude parce que lui m'a l'air pas très commode. Mais tu sais qu'on va s'entendre, couillon de jeu. On va peut-être même s'aimer. Eh oui. Evie. Bon, j'ai un petit problème de vitesse, mais j'aimerais bien utiliser ma bombasse. Par contre, si vous me le permettez, Spice dit. Alors, quand je tire les missiles, par contre, ça me fait une purée de. Une purée de pixels qui fait que j'arrive pas trop à localiser mon vaisseau si je tire trop souvent. Oh, laisse-moi le finir, celui-là, quand même, il est sympa. C'est ça, va-t'en, espèce de lâche du cosmos. À ne pas confondre avec celui de Pierre, le lâche de Pierre. Oui, je sais, ok. Moi, je le valide celui-là. Il est très très bien. Il n'est pas totalement original. Il est allé chercher les idées là où il fallait. Il est réalisé avec autre chose que les pieds. Il y a du pattern assez généreux pour vous foutre un peu le bronze, vous venez de voir. Il est terrible ce truc. Pourquoi n'a-t-il pas été plus connu? Ah là là. La popularité dans les produits, c'est tout le temps quelque chose de très bizarre. Il n'y a qu'à voir la marque à la pomme qui arrive quand même à vendre des mini-cellules pour retenir les gens captifs. Et ça a un succès dingue malgré que ce soit vendu à des prix complètement indécents. Truc de fou. Oh, je vais m'arrêter là, je me le garde pour plus tard celui-là. Très personnellement, je peux vous avouer que ça va être mon petit shoot du week-end. Je vais me finir tranquille celui-là. Continuez certainement pas. Il faut que j'aille faire la vaisselle. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent, mon ami.
Non, il faut que j'envoie quelqu'un faire la vaisselle. Non, il faut que je trouve un esclave pour faire ma vaisselle. En fait, voilà, c'était la vraie phrase complète qu'il fallait que je vous dise. On se dit au revoir. Je vous laisse sur la démo de ce jeu. Niveau collection, donc, vous le rajoutez hein, dans vos must-have. Il a une très très bonne tête. Il serait complètement idiot de passer à côté de ce titre qui vaut largement. Qui vaut largement le coup d'être vécu. Tout simplement, je rappelle son petit nom, c'est Dayo. Dayo! Dayo! Et donc, si la run suivante veut bien marcher, ce sera Dangerous Seed pour le prochain stream. Notez-le. À bientôt, les petits choux.